Rebonjour, voilà, je reviens vers vous, donc c'est pour vous montrer. Alors, donc j'ai retravaillé un tout petit peu la première page, donc j'ai fait des petits trous avec une perforatrice, et en fait comme ça pour donner un petit style, je trouve que ça fait joli. J'ai mis du washi tape, parce que j'ai mis là, du petit washi tape, qui est celui-là que j'avais acheté à Noz il y a quelques temps. J'aime bien parce que ça fait vraiment style shabby chic. J'adore ça. J'ai mis un petit fond blanc avec des lignes et une porte. Pro. Ça va pas. Hein. Je suis fatiguée. Avec une petite carte en vellum, donc transparente. J'ai écrit Journey. Oui, enfin, j'ai écrit, j'ai mis un petit die cut que j'avais acheté donc à Sunset Green, donc sur les die cuts que je vous ai montré ce matin. J'ai mis de la petite dentelle rose. Alors, celui-là, vous connaissez, je vous ai montré. Vous voyez, donc j'ai fait un petit tamponnage avec mes nouveaux tampons. J'ai mis un petit papillon. Ça fait quand même assez beau, j'aime bien. Là, j'ai mis une petite carte. Donc papier vellum également. Donc là, je vais rien mettre. Donc vous voyez, là c'est la petite enveloppe que je vous avais montrée. Hop. Bon, je vais rajouter une partition de musique. J'ai mis un petit embellissement que j'avais depuis un bout de temps. Ah oui. Par contre, je voulais vous demander, quand vous travaillez donc du papier super épais, super fin, donc du 80 grammes, il faudra, donc on va percer, donc pour faire la reliure, il faudra mettre des tisoyers. Enfin, moi, je vous conseille de mettre quelque chose pour dire que le papier ne craque pas, parce que sans quoi, après, ça sera foutu. Hein, donc, voilà. Donc ça, je vais vous expliquer comment j'ai fait pour faire l'enveloppe et donc la disposition. Donc bon, ça c'est pas encore collé, je sais pas encore. Donc hop, et un petit papillon, j'ai mis beaucoup de papillons, j'adore les papillons, le ruban, la dentelle, ça il faut que je les colorise en café. Ouais. Donc j'ai fait un petit collage. Voilà, j'arrive pas à bien faire. La prise au niveau de la vue, toujours un petit peu embêtant. En plus là il commence à faire noir, donc ça devient compliqué. Bon, j'ai fait ça également. Attendez, on va peut-être hop remonter un peu la caméra. Vous voyez, donc j'ai fait des petits rebords là, j'ai collé du papier, j'ai mis des die cuts. Une petite cloche de papier et j'ai pris, vous savez, les petites étiquettes que j'avais photocopiées, donc je les ai pliées en deux, mais je vous expliquerai, je les ai agrafées, ça peut faire joli. Voilà, je vous montre un petit peu les boches. Bon, je n'ai pas encore terminé hein, mais j'aime bien vous montrer comment j'avance. Une petite cage à oiseaux, la page de dictionnaire. Donc là, j'ai mis un petit trombone qui sera décoré avec plusieurs petites étiquettes. Voilà, du vélo. Une petite étiquette, vous voyez, j'ai tamponné dessus avec mon nouveau tampon. Ça fait quand même beau. Et là, vous voyez, c'est bien parce qu'en fait, j'ai fait comme un grand arbre, en fait. Et j'ai perforé tout autour. Et je trouve que le rendu, il est quand même assez joli. Vous voyez, donc là, j'ai tamponné avec le petit tampon dentelle. J'ai remis donc les petites étiquettes. C'est vraiment du collage hein, en fait. Voilà, c'est ça, vous collez, harmonisez bien les couleurs, et je trouve qu'avec les partitions de musique ça fait vraiment cet effet shabby chic. En plus avec les papillons c'est quand même assez sympa. Vous voyez, j'ai pas encore tout fini, donc là j'ai rajouté une petite partition de musique avec un petit ruban en dentelle. Bon, là c'est pas encore terminé, vous voyez, hop, j'ai mis
encore ça avec le petit papillon. C'est vraiment pas évident quand c'est pas tenu, hein. Ça part un petit peu dans tous les sens. Et hop. Donc là, j'ai tamponné avec un tampon que j'avais écriture. J'ai mis des partitions de musique avec un petit die-cut pour mettre un tout petit peu de couleur. Donc ça, je vous l'ai montré. Surtout les petits bouts de papier, vous ne les jetez pas. Hein. Il faut vraiment bien les garder. Là, j'ai agrafé une petite étiquette. Donc, j'ai mis du ruban, enfin de la dentelle. De la dentelle, vous voyez, j'en ai remis là. Hop, là aussi. Vous voyez, comme ça, ça décore un petit peu la page. Ça met un peu de couleur. Voilà. Bon, bah, je n'ai pas terminé, hein. J'ai encore pas mal de choses. Il y a certaines choses que je vais coudre. Mais bon, je vous expliquerai vraiment. Bon, là, c'est vraiment pas fait. J'ai pas encore le temps de bien travailler. Ça va encore pas mal de boulot. Voilà. Vous voyez, ça part un petit peu dans les sens. Il y en a partout. Voilà. Bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça vous donnera envie de faire un junk journal. Moi, je vous conseille d'en faire un parce que franchement je trouve ça super bien, enfin moi c'est mon avis personnel. Voilà, bah écoutez, je vous laisse, je vous dis une bonne soirée, je vous fais des énormes bisous, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Je vous fais des énormes bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt, au revoir.